ce matin donc de nous retrouver pour cette montée des couleurs. Couleurs donc qui symbolisent tout pour nous, prêtes à vivre ou à mourir pour ces couleurs. Parce que la patrie que nous ont léguée nos ancêtres, aujourd'hui, ne se porte pas assez bien comme on le souhaite. Mais si cette guerre est imposée à nous, notre génération, c'est que nous en avons la capacité. Il est de notre devoir de nous battre pour céder meilleure patrie aux générations à venir. Ces couleurs symbolisent aussi beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs que sont donc l'intégrité, la dignité, la probité, le sens du sacrifice. Cela fait plus d'un an que nous avons commencé un travail de direction de cette nation ensemble. Nous abordons un nouveau virage. Il est temps pour chacun de s'accrocher. Parce que ceux qui ne pourront pas, ceux qui ne seront pas engagés, ceux qui ne seront pas convaincus, ils vont tomber. Et nous n'allons pas nous arrêter. Ce matin, chacun en se réveillant a sûrement embrassé ses enfants, a pris son petit déjeuner, son sac et s'est retrouvé ici. Si nous arrivons à vivre comme ça, c'est parce que d'autres sont au front, ont donné leur poitrine, leur vie et même leur fortune pour que nous puissions le faire. Alors qui sommes-nous pour ne pas les magnifier ? Qui sommes-nous pour ne pas chanter leurs louanges ? Qui sommes-nous pour ne pas les glorifier ? Si nous n'avons pas la capacité d'être là-bas, si nous n'avons pas la chance d'être là-bas, au moins prions pour eux.